00, c'est le numéro à composer, appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fabien Gouacom. Votre nom. Gouacom, Bernard Jurica, au quartier du Pau. Nous vous écoutons, Bernard. Au fond, les journalistes, les mauvaises habitudes sont de ressort par le secteur de la fabrication qui sort à béton. C'est grave, monsieur le journaliste. Le sort à béton de mauvaise qualité est revenu sur le marché. Au Bénin, la fabrication et la commercialisation du sort à béton n'observe pas la réglementation en vigueur dans le secteur de la sidérurgie, malgré l'arrêté interministériel publié le 17 juillet 2023. Monsieur le journaliste, il est constaté malheureusement sur le marché que le faux remplace du vrai. Comment les fers à béton de 6, 8, 10 et de 12 ans diamètre pour finir ce matin, monsieur le journaliste? Je demanderai au ministère de l'Industrie et du Commerce de renforcer le contrôle de la qualité dans la fabrication qui est dans notre pays, car nos maisons sont en danger. Merci, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Merci d'être passé 65 10 00, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec l'actualité de votre choix. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. À qui j'en ai l'heure? Oui, on a un cas criminel. Nous vous écoutons. Oui. Changement opaque. Comment? C'est comme si je n'avais pas recommencé. Il y a ce que j'ai vu, surtout au niveau du parking, au barca toujours. Ils sont là, encore là. Mais la police est à côté, mais n'a pas réagi. Il y a des gens où ils sont, encore là ou bien quoi. Ils restent là aussi au niveau de la cour d'appel. Même chose. Et ils ont les sacs, les clients, j'ai vu, c'est pas qu'ils m'ont dit. Et il y a seulement, j'allais au niveau, comme dire, quand j'ai cette situation-là, comment la police peut réagir? C'est pas pédé par rapport à cette situation-là, à Bofac-là. C'est qui doit être rapidement? C'est pas qui doit être dans la communauté, nous. C'est pas qui doit être dans le quartier, intérimement requêt. Comment la population va acquérir pour ce qui vient pour nous? Et ils attendent toujours le soutien du maire Kakémé-Diamant. Et les autorités de la Takoura, comment ils puissent mettre tout en œuvre pour les aider à ériger ce pont-là avant la pluie. Et voilà, merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-0, notre intervenant. Au bout de la nuit, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon frère René Sauvignon, je parle à Abdelba, vous pouvez vous attendre, vous pouvez vous appeler. Nous vous écoutons. Mon frère René Sauvignon, vraiment, je tiens à remercier la mairie par rapport à la situation de son passe. Mais au niveau de la cour d'appel, il faut qu'il trouve d'autres stratégies pour pouvoir finir ce phénomène. Parce qu'après le départ de ce syndicat dans les policiers, il se retrouve là à moins d'une minute sur René Sauvignon. Il faut que ces autorités trouvent d'autres stratégies au niveau de la cour d'appel qui vient réellement réhabiter sur mal. Je ne peux pas comprendre. Les autres autorités se confondent qu'au niveau de la cour d'appel, là, que le problème se pose. Je demande à mon maire de taper plus fort. Je quitte là, M. René Sauvignon. Je demande au gouvernement de la rupture. Ils ont donné un délai pour les dépôts de dossiers pour les affluents. Mais le délai est déjà passé. Il y a encore plein de candidats qui ont dossier encore à la maison. Nous les dépôts. Celui qui blesse oublie vite. Prière matinale à vous de partager avec nous l'actualité. Ô Papa Condé, guide mes pensées, paroles et actions aujourd'hui. Permets-moi d'être un instrument de paix, d'amour et d'espoir. Que cette journée soit bénie de paix, de joie et de réussite. Nous écoutons. Ma preuve va déclencher, monsieur le maire de la ville de Paracou. Monsieur le maire, je vous en prie, vous êtes un grand musulman. Le mot que je vous demande de faire pour ce mois bénir pour la population de Pays-Guéraïa-Barita,
est de nous aider à garder la voie que vous dira à l'Italie. Ce n'est pas gratté. Je vous jure, si vous avez fait ça, vous mettez le maire. Toutes les prières que les musulmans qui sont sur ce pont-là viendront faire. Négligez pas les gens, négligez pas les gens là. On connaît pas des mères, qui sait pas ce que Dieu a prouvé pour moi. Négligez pas les gens, négligez pas les gens là. On connaît pas des mères, celui qui dit. Donc je vous demande pardon de partager au moins la moitié de votre carême que vous êtes en train de faire et de se concentrer sur ce pouvoir. Vous essayez de nous charger ça au moins pour qu'il y ait la paix. Secondo, le Seigneur nous dira sans conduire. Aidez-nous à trouver de quoi. Thomas Asoba. Romuald Ouadani. Ce sont 5-10-0-0-0. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec l'actualité de votre choix. Notre intervenant, oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Albert Bassou, Amé. D'accord, nous vous écoutons, Albert. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ne bougez pas dans la prise de Farafou. Oui, la prise de Béli, voilà, vous pouvez penser à Béli. Tommy Gandhi, écoute-moi bien. Ben, ton vidéo, fais-moi attendre. Toute personne a trois temps. Ben, ton vidéo, fais-moi attendre. Le rail, ça fait fou, monsieur le journaliste. Pour voir dans la ville de Farafou. Bon, c'est un peu en fait, monsieur le journaliste. Je demande à vos chefs d'autorité. Merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-1-0-1. C'est le numéro à composer. Appelez-nous et partagez avec nous l'actualité de votre choix. L'actualité telle que vous l'avez, cette actualité. Auditeur Henri, bonjour. Bonjour, votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, moi, je voudrais demander à votre policier là, il est calé doucement avec la population. On sait bien, que c'est l'État qui les a commandés, le travail qu'ils sont en train de faire. Et c'est normal qu'ils doivent faire. Mais ils ont parlé doucement avec nous. Parce que le président ne va pas en éducation et celui qui n'est pas en éducation va reçu le coup de la matraque au coup, c'est pas possible. Donc ce qui se passe en ville, ce n'est pas trop bon. Si les gens ne sont pas en règle, si ils ont vu les policiers, ils voient les choses là. Pour les langues, c'est une ou bien ma plaque là, il n'a pas pu tomber, il n'a pas pu tomber. Parce que ça m'a arrivé, on va aller au côté. Vous voyez, donc ce n'est pas trop bon. Ils sont venus arrêter les personnes, c'est comme ça qu'ils m'ont touché. Donc je voulais demander, n'a qu'à être un pays vraiment vigilant pour pouvoir faire le travail, sinon ce n'est pas bon. Je voulais le demander ce matin. Pour finir. Je demande le maire de Farafou de faire tout possible, pour faire quelque chose dans la ville de Farafou avant que la ville ne commence. Nous, vraiment, on est fatigués de vivre nos jours, tous les jours. Bonjour à vous. Excellent, je merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-1-0-1. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec l'actualité de votre choix. Ce sont 5-10-0-1-0-1. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Nous sommes passés, nous n'avons pas pouvoir repasser en fait. On n'a pas eu de bon avis de ces gens de Mali. Nous écoutons. Nous allons revenir sur la préoccupation du monde. Parce qu'un éditeur que je respecte beaucoup, parce que je suis, il n'est pas en défense. Il a rappelé la machine de la vie de Farafou. Donc, vraiment, si vous connaissez, pas après de 10 ans, ou un peu plus de 10 ans aujourd'hui, vous êtes encore dans la commune de Farafou. Au moment où, la première chose qu'on entende, c'est les machines qui sont envoyées à travailler pour travailler. Et moi, je pense que c'est pour participer la France à mes parents, mes frères, par emploi, pour finir sa carte de la vie. Mais je pense que je suis. Je suis connu, je ne sais pas encore.
Allez, à tout à l'heure, merci d'être passé ce soir, 5 et 10 01 01, appelez-nous. Notre intervenant au bout de la ligne, bonjour. Bonjour, la voix, quel est votre nom? Quel est votre nom? Nous vous écoutons. Ok, pour cette fois-ci, je voulais demander, les autorités de Paracou n'ont qu'à tout faire, il y a notre quartier, soit pour nous, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de photo, pour avoir un arrivé quelque part, et on a le monde qui est fini partout. Maintenant pour rentrer avec les gens qui vont venir nous voir, nous avons tout le temps que là, qu'on passe. Encore une fois, essaye de nous amener le photo, le film, pour qu'on puisse tout le monde avoir le contrôle sur la rue tranquillement, on va trouver chez lui. Ce ne serait pas bon. Maintenant, de l'autre côté de l'eau, vraiment, au bord de la rue, on voit que le pont s'arrête. On n'a pas amené. Maintenant, si tu as envie de prendre la pompe, c'est obligé de prendre. Maintenant, je peux prendre ta boule, je suis à la maison. Je demande aussi sur l'aide, comment ils vont faire pour qu'on va trouver de l'eau dans notre capuche à Tibona, qui n'a pas le faire. Bonjour à vous. Ce sont 5-10-0-0, donc c'est le numéro à composer pour passer en direct, partager avec nous votre actualité à notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, René Sobo. Merci de vous présenter. D'accord, nous écoutons. Donc, concernant le coupé électrique là, chaque fois là, la loi coupée, on y a un problème, on y a une nouveauté. Et le nouveau compteur là, quand il s'accouche seul, beaucoup, il ne sait pas si d'autres, mais il n'y a pas encore la boutique, ça fait beaucoup de vie. Quand on est parti, on ne fait pas une minute encore revenu. C'est comme ça. Et ça grippe beaucoup les appareils, monsieur le journaliste. Mais je ne sais pas si encore demander sur eux de voir ce qu'il a suivi là. Pour que les jeunes nous l'expliquent, pour qu'on se soit en face de la fin de la fin de la fin. Et là, ceux qui avaient mis les gens qui sont contents, ou les gens là, ils sont obligés d'aller chercher les gens qui sont contents là. Mais nous voyons, c'est le problème, monsieur le journaliste. Pour aller très rapidement, c'est qu'on soit le point de l'opac là. Et par rapport là, monsieur le journaliste, ça va le problème de dire, oui, ici. Il voit tout, il y a trop de désordre, ça va le corps du arrêté. On parle là, on dit, on parle de ça. Quand on prend les autres profits avant de venir, nous sommes encore là. C'est quoi? Si le gars s'appelle Dieu, comme il y a même qui ont eu ce plan là, ça veut dire. On va venir, c'est pas par vous qui a le bâtiment, ou à partager avec vous, pourquoi tu vas par vous pour ces désordres? Le gars s'appelle fort. Bonjour, mon ami. Ce sont 5-10-0-0, merci d'être passé à plein nous, c'est le numéro à composer, à prendre notre intervenant. Ce sont 5-10-0-0-1, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour journaliste. Votre nom? Monsieur Marataka de Paraguay. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Maintenant, le côté du Paracou, ils ont laissé le Paracou tous les matins, on prie, on ne voit pas, le soir nous aider. Si le mandat est fini, on vient nous trouver. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui va voir le cœur de l'air. Et quelqu'un qui va marcher en haut, nous tous, on marche sur la terre. Donc, normalement, je vois depuis qu'on crée sans lignée, sans voie, sans l'eau, tout ça là. On ne peut pas compter les longues droits qu'on fait. On va dire, ah, ici là, on a parlé l'autorité, ils sont venus nous regarder. Ça là, c'est pas. On voit depuis qu'ils ont quitté les Paracou, on a voté chez eux, on ne voit pas personne. Mais le contrat là, mais là, rien là. Mais là, rien, mais là, pas de force, il va arranger les Paracou, c'est pas comme avant. C'est pas comme le cas de celui-là, mais ici. Nous, on connaît avant, mais c'est maintenant, on ne connaît pas d'abord. Merci, journaliste. Allez, merci d'être passé ce 5-10-0-0. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct, partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, merci de vous présenter.
Nous écoutons Dominique. Ce sont 5 10 0 0 1, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous... Allô. Oui, intervenant en ligne, merci de vous présenter. Adam Assoro, beaucoup de patrimoine. Nous nous écoutons. Ok, on a dit ok. Ça n'a pas été conséquent. Vous revenez, vous insistez, parce que je suis ici, on a un mal de domaine qui est habitant, parfois à l'environnement en ce moment dans notre pays. Malgré la revue interministérielle du 17 juillet 2023, un homme d'entreprise continue d'exposer les pays noirs et pays noirs à une grande danger publique à travers ses pères ou plutôt à l'homme qui est membre du marché du pouvoir. Quand on fait un bâtiment, par force, on va pas le faire, il est dangereux. Cela est aussi conforme. La position mensuelle du Bénin est de 15 000 tonnes pour faire 380 000 tonnes annuellement. Puis, les cas de 6, 8, 10 et 12 sont de la masse comme les usagers qui sont innocents. Voyez-vous là, monsieur Limoine. La réglementation sur le pain est lisse. Le pain est un poids de 222 grammes au mètre sur le cas de 6. Mais la réalité sur le terrain, le style est similaire. Nous sommes à 5, donc le gramme 400 c'est pas comme gramme. Avec la même perte de 221 kg à la pomme, pour le cas de 8, le consommateur perd 224 kg sur la pomme, sans oublier le 241 kg, soit sur le cas de 10 et 239 kg sur le cas de 12. Allez, merci d'être passé, excellente journée. Ce sont 5 10 0 0. Passons à notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René, à tous les gens de Tibona derrière, école des choses. Nous écoutons. Voilà. Et ce que je voulais demander, vous voyez, lorsque le projet FGVSA est venu à Parakou, tout ce qu'on a applaudi, et le travail qui est en train de faire aussi, si quelqu'un a mal parlé de. Vraiment, la personne ne veut pas l'évolution de notre ville. Donc, ce que je voulais leur demander, effectivement, ils sont en train de travailler. Mais s'ils ne sont pas encore prêts pour ramasser les carottes et les voilà, de ne pas regrouper et laisser pendant des semaines, pas créer d'accident dans la ville. Donc, si leur responsable est à l'écoute ce matin, les carottes sont regroupées et dans une semaine, et ça fait plus de 2 semaines maintenant, les femmes sont regroupées et sur le pavé d'Albarca et sur le pavé de Landou, vers nous ici. Et la fois dernière, le vent qui soufflait a fait tomber un vieux qui ne voyait pas, il est parti coller le câble. Le vieux était devant moi. Donc, ça crée beaucoup d'accidents. Si ce n'était pas que le câble était là, il allait passer librement. Donc, ils ont regroupé les câbles, il faudrait qu'ils ramassent automatiquement.
ils ne sont pas encore prêts, on va laisser d'abord. Je quitte là automatiquement, M. René. La voix à Barca Pergera, car on tient beaucoup à cœur. Tel que mon frère, mon grand frère, Boudou Oscar vient de dire, l'humain n'a qu'à essayer de nous satisfaire dans ce mois-ci pour que nous-mêmes, on va aussi partager les dons et les prières. Ça fait à demain. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. 6 heures passées de 46 minutes dans le studio auditeur en ligne. Bonjour. Ce sont 5 10 01 01. Bienvenue sur Fraternité FM dans mon point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Il est parti. On va reprendre votre intervenant. Auditeur au bout de la ligne, bonjour. Oui, bonjour. Allez, merci de vous présenter. Alors, quand il y a bien pour ça. D'accord, laisse-moi nous écoutons. René, moi, ça m'étonne. Le président Talon m'a montré le contrat. Il est conscient de ce qu'on va aller passer en 2016. Il nous a dit que Talon va rester sans courant. Il s'appelle la radio du Nord. Il a fait des projets, les gens vont déposer. Pour les gens, à cause du courant, les gens mettent ça ailleurs. Pour cette petite coupure, n'est pas de notre volonté, il faut le dire, nous sommes revenus sur notre propre réseau. Alors, M. Metosso, vous criez à l'électricité pour Bayaou, vu que nous-mêmes qui en avons, on souffre encore. Allez, auditeur Rémi, bonjour. Bonjour, M. René. Voilà, bonjour, votre nom. Bon, la carte de son point appareil. Nous vous écoutons. M. René, vous avez. Ou à des prises de décision, enfin la faiblesse de l'autorité dans certaines prises de décision. Ou alors la question de Orpat et puis la question de dégradation des bêtes. Nous ne savons pas que si nous ne voulons pas. L'autorité a arrivé plusieurs fois pour vous marteler très fort que cette répression sans merci. Et pourquoi aujourd'hui, vous pouvez m'avoir constaté, les policiers sont là, en aidant les voitures sont garées de gauche à droite, tout, jusqu'au genre Koubassan là-bas. Moi, si je ne vois pas, voilà la vie des parafous. Où l'autorité ne peut pas agir. Vraiment. Je quitte là. Je demande le ministre de l'eau. Il n'a pas venu contacter le régime avant pour voir. Mais plus non plus de l'eau. Vraiment, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. La promesse est une dette. Ce qui nous a promis. Que les parapluies auront de l'eau. Ça a tout fait pour nous doter de l'eau potable dans la vie des parapluies. Allez, bonne journée à vous. Ce sont 5-10-0-0. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec l'actualité de votre choix. Notre intervenant, oui, bonjour. Oui, bonjour, journaliste. Votre nom? Moi, Saka, qui est en retour. D'accord, Saka, nous vous écoutons. Voilà. Il est nombreux à aller chez les policiers, là. Si on te prend la nuit, et si on peut garder le papier de ta moto, ouais, c'est ça, nous allons pas louer, tu vas amener les papiers et on dit qu'ils vont embarquer les motos dans la base. Est-ce que c'est bon comme ça? Quand tu as amené ton papier, ils vont vérifier, ils voient que c'est bon. Ils vont te révéler là, c'est bien bon. Mais en fait, ils ont pris sa moto, ils ont fait douane ici. Ouais, mais sa maison à côté de derrière là-bas, ils ont amené les papiers, ils ont dit que non. C'est une moto d'embarquer pour amener à la base. Est-ce que c'est bon? Si la personne a montré son papier, si vous l'avez trouvé là, si vous avez ramassé les motos là d'abord, vous les libérez là en même temps. Si la moto là fait 3 jours, Voilà, c'est comme ça on sait de l'argent. Voilà, c'est pas bon, au nom de Dieu. Merci. D'accord, merci, c'est entendu. Merci, Morin Saka, pour votre coup de fil et votre témoignage. Notre intervenant, oui, bonjour. Oui. René Chevron, c'est Bertin, on est de retour. Nous écoutons, Bertin. Où est-ce que j'ai fait de quoi, là?
C'est ça. On est venu ça. On ne peut pas arriver. Si on parle pour qui, c'est pour couvrir le compteur. On ne peut pas arriver. Tu vois, il va prendre le billet de la hausse, mais il va venir directement au-dessus de vous là. Pourquoi on va attendre la voiture? On ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'on présente le courant là. Vous savez, vous avez parlé à ce que vous venez, il va vous montrer pour dire oui, c'est vrai, c'est lui qui parle la vérité. Ça, c'est quoi ça? Vous savez, très rapidement, il concerne la ville de votre commune. Monsieur, vous n'avez pas vous menti. Il tient la base là-là. Pour la fin, vous ne parlez pas à Marabout pour ça. C'est la petite qui est du Marabout. La petite, un peu de votre commune. Et ça, il faut pas avoir la peur de dire la vérité. Sinon, on a même le petit Marabout là. Moi, je suis content de faire. Ça même l'aide du gouvernement. Vous voyez la politique nous dépasse. Vous savez qui va notre pouvoir. Si la peine est le possible de côté, nous avec notre corps, mais on peut faire de chaque jour. Bonjour, monsieur le Mali. D'accord, merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-0. On va prendre notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur René Sauvé. Votre nom. Monsieur Jacques Avanier de Café pour la Paracou. Nous écoutons. Merci, monsieur Joyeux. Un tiers du gel, on le rend de l'eau, soit de ce qui est. Quoique, mais je te dis, que ce soit le directeur, le patron de la police, le brigade, le commissaire, à chaque moment, il dit qu'il demande toujours la collaboration des populations. La collaboration des populations. Mais force est de constater que lorsqu'on les déploie dans des carrefours, ce qu'ils font, ils font leur volonté. Je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre. Jusqu'à la nuit, ils sont cachés dans des coins obscurs et sont là maintenant, ils saisissent avec leur petit bâton. Pour ils ont mis sur les populations. Hein? Pour vous dire, c'est qu'ils se sont vraiment qui créent des voitures parfois. Ils créent des voitures. Par exemple, avant hier, l'homme est tombé devant moi. En le sentant, il est tombé devant moi. Il est tombé devant moi. Qui est-ce qui a couru cet accident? Ce n'est pas le policier. Hein? Pour vous dire, c'est quoi le voile de serre? Qui soit c'est quoi le voile de serre? Et nous, on déçoit le contrôle. Et chaque fois, si j'ai une bonne information, ils ont une information. Mais si je n'ai pas d'information, on va garder nos informations et nous, ils vont garder les informations. Mais ce n'est pas efface, si la population sont en insécurité, la police soit en insécurité. Je m'arrête, ils sont à bien jouer. Bonne journée à vous, ce sont 5-10-0-1-0-1, ce sont 5-10-0-1-0-1. Votre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le respecteur en fait, mais vous allez arrêter les gens. Nous écoutons. Ce que je veux dire, c'est parce que ça bloque les gens. Mais tous les jours, on parle un peu. Moi, ça ne va pas quelque part, je le dis. Je suis mandaté, pas aucun petit peu. Je ne suis pas la cause d'un petit peu. Moi, le changement, en tout cas, pour l'autre, c'est le vote. Il avait des boutiques qu'on appelait en Anda. Vous savez que là, vous dites que moi, et quand vous participez là-bas, on achetait des villes là par exemple de rire de notre monde. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors que nous ne sommes pas toujours partis du central. On peut mettre le matin du central. Nous, les pauvres, on achetait à dire plus. Mais aujourd'hui, on parle du central, je ne vois rien, moi. Je ne sais pas du tout. Mais ça me touche, ça me brûle le corps. On peut pas faire cela. Nous sommes petits personnes, on ne veut pas, et qu'on a une histoire de voir les gens pour gouverner. C'est pas nous-mêmes, on peut gouverner les gens, on va gouverner. Merci pour votre appel. Ce sont 5-10-0-1-0-1. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom. Adam Traoré, de tous les quartiers de l'Ontario. Adam, nous vous écoutons. Vraiment, je suis un agent présent avec les nécessités dans le parcours. Franchement, bon, mais pourtant, les cycles là-bas, on a besoin de ça dans la rue. On a besoin de ça, il y a un seul toujours aligné 24 heures sur 24. On vous demande pardon à l'FBB de venir nous secourir. Vous voyez, de venir nous voir ça. Vous voyez, vraiment, il y a les photos là, pas de vue de chaussons. Les cycles là-bas, franchement, bon, vous voyez ce qu'il y a à faire le casque là-bas de vous.
Le policier, ça me prend que le temps là, des policiers même en vous. À cause du casque là, pour le voir un peu le casque dans vos fonds, on ne sait même pas. On prend à cause du casque là, pour voir la sécurité des policiers. On sait que si on n'a pas de casque là, on ne sait pas comment ils allaient nous protéger. C'est pas bon. Nous, on gagne un peu là maintenant pour nous protéger, non pas le fond là, non pas être là à cause du casque. Hein? C'est pas bon. Je demande que tu peux avoir la mairie de Paracola là. Donc, c'est le genre de qui va commencer. La route n'est pas tenue là-là. Vous voyez comment c'est déclaré. Nous voulons appeler notre gagne là-là. Parce que nous, même après, vous voulez une sécurité. Nous voulons pas de devenir sécurité. Bonne journée. Merci, 65 10 0 01. Appelez-nous pour passer en direct à notre intervenant. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je pense que c'est la fin qui vous appelle depuis Borobani. Allez-y. Vraiment, je voulais demander, mon collègue vous voyez là, le fait de l'Europe là, a fait des vols de Paracoua, c'est trop. Et je voulais demander au maire, même si le gouvernement ne peut pas aider sa population là, le maire a le capacité de nous aider pour arranger des vols qui ne vont pas. Au moins, il a fait par an. La voie de Kourou Geraï et Alibarika, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, comme les autres l'ont dit. Et la voie de Comissariat, ça ne va pas aussi. Maintenant, on va toujours parler de la même chose, et ils ne nous écoutent même pas. C'est comme si on est en train de parler seulement. Ils donnent les promesses, ils ne font pas. La paix a déjà commencé. Au moins, depuis qu'ils ont commencé, pas fonctionner déjà. Ici les villes, en prison des autres citoyens là. Vous voyez cette somme-là, ça peut aider à arranger les grandes zones qui ne va pas. Donc c'est ça là, ça fait un peu mal que quand on parle là, c'est comme si on ne nous écoute pas, ça fait trop mal. On ne peut pas faire que nous aider. Avec tout ce qui se passe à Paracou, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'argent. Et s'il y a l'argent, ils ne veulent pas nous aider. Et ça dit quand on tombe là, il y a des gens qui sont mis, mais. Et ça fait moins de pète du gouvernement. Donc tous les cas que ça peut arranger, moins les gens qui ne vont pas. Donc, ça ne peut pas les éduquer vraiment, il n'est pas pour faire les gens là, les gens là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais on voit que les autorités ne veulent pas, on ne veut pas faire. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas demander les autres. La conséquence, comment ils sont dans les villes. Donc, on ne peut pas toujours parler de la même chose. Les carrés ne font pas, on ne sait pas où avoir l'argent. Quand ils s'enferment déjà, l'argent qui sont là, on ne sait pas comment on va. Nous avons compris, madame. Merci. Ce serait donc le tout dernier pour le compte de cette journée. Marquer donc la pause, faire place au mini-débat ce matin, il faut le dire, avec deux journalistes de la rédaction. Et ce matin, on retrouvera Steve Gounoukou d'abord. Bonjour. Bonjour, René Soudou. On parle de cette opération, le changement au parc, qui a été lancée il y a quelques jours, et déjà quelques chauffeurs délicats interpellés. Il faut le dire, dans quelques 20 secondes, il sera 7h partout au Bénin. Oui. Fraternité effet. René Soudou, que ces deux phénomènes, on a souvent dit à la peau dure et des répressions, il y en a eu, de sorte que la répression, la nouvelle répression qui est lancée, c'est la énième répression que les autorités municipales